So as the message is being delivered, ladies and gentlemen, you may pat your feet and have a ball. They try to sample me. Can't let them. They try to sample me. They try to sample me. Alors cette année en fait on est très content parce qu'on a une fois de plus un maquillage assez spectaculaire. On a pour Pablo Henrard qui fait partie de la quatrième année, il nous a demandé de faire des maquillages en fait avec le thème les veuves. Alors ce qui est très très drôle et très intéressant c'est que ces veuves sont tout à fait habillées en blanc, elles sont toutes blanches. Et nous allons donc réaliser le make-up en conséquence avec beaucoup de blanc mais associé à un prune qui donne un air très dramatique et très éploré. C'est important, le défilé Lacombe chaque année? Oui, en fait mes collègues et moi, donc tous mes collègues qui sont là, nous sommes toujours la même team tous les ans et on se réjouit à l'avance. Moi, je vais coiffer la dame, enfin le mannequin. Petit mot sur le mur, ça représente? Ça, c'est le chef d'équipe et puis les exécutants. D'accord. Donc pour avoir une organisation un peu crédible. Que fais-tu là? J'aide mon petit copain. Et le principe, c'est on est en train d'essayer de fixer un accessoire de tête constitué de petits morceaux de bois et à qui on a essayé de donner un centre de gravité, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc là, c'est un peu du rafistolage, à savoir élastique et pince à cheveux. Voilà. Merci. De rien. Ça a l'air de tenir, hein? C'est ça un peu? Ouais, ça va. Ça va? Lacombe 2012, on y est enfin. Rendez-vous sur nos sites. Bonsoir, Olivia en direct des Halles de Scalery. Nous sommes en direct des Halles de Scarbec. Dans quelques instants... Tu me stresses hein, avec ton appareil et tout. Lacombe 2012, c'est aujourd'hui. Rendez-vous sur essentiel.be. Come now. We'll be right back.